Et bienvenue. Nous sommes le 29 juillet. Bon, ben aujourd'hui, je vais effectuer mes 12 premiers tirs de tuyau dans la saison du soleil. Bon, ok. Bon, après une discussion avec Draco655, ok, il m'a suggéré d'avoir. Il m'a suggéré trois ailes en particulier pour qu'il me donne le plus de circuits possible. Pour qu'un jour que je puisse atteindre le top 100. Et parmi ceux-là, il y a le Comtel, il y a les clochettes argentées, et l'autre c'était. J'essaie de me rappeler c'est lequel de mémoire, mais je ne me rappelle pas. Ça va peut-être me revenir un peu plus tard. Puis au niveau des cotes, ce qui est important, c'est que c'est toujours d'y aller avec des cotes qui sont gros puis massifs. Ok, ben, qui veut dire qu'on dit qu'ils ont le plus grand nombre y a de Xbox qu'ils peuvent avoir. Parce que ça pourra te permettre d'aller chercher le plus de pièces que possible dans un large espace. Lorsqu'il y a des bots ou toi qui active une boîte à pièces. Puis pour moi, je vais commencer par focuser par. Par rapport aux cartes, il y a déjà des rapaces rapides qui sont déjà faits. Il y aura aussi les intrépides. Il faudra déjà chercher tout ce que c'est dans la famille des intrépides 2 qui pourrait être bon. J'ai déjà le vert, j'ai déjà le blanc. Je pense que c'est le 2 d'après moi. Là. Le blanc-rouge. Puis l'intrépide 2 rose. Il y a le TP de bleu ciel que j'ai pas. J'ai ni non plus le métal, ni le classique. Il y en a quelques-uns que j'ai pas. Puis aussi la famille, des volets médiévales, j'ai déjà tous. Il y en a juste un qui est au niveau 1, puis c'est l'or. Puis il y a aussi flèche de Cupidon que j'ai déjà, mais qui est seulement au niveau 2. Tandis que celui qui est en argent est au niveau 2. Hier, j'avais le Cupidon en or dans ma boutique. J'ai décidé de laisser tomber pour le moment. Je vais attendre d'acquérir en masse de rubis pour acquérir des codes de la famille des ETP 2. Puis peut-être le Cupidon en or plus tard. Pour me permettre de meilleures chances de tenir plus de combos en utilisant que des gros cuts au lieu de petits cuts que j'utilise pour me sortir du pétrin comme le Turbo Bedeau Noir, le Yoshi Bedeau Noir, le Chabriolet Gris, le Chabriolet. Je parle de ces petits cuts là. Il y a aussi le Titine Mobile. Bon, le Titine Mobile, là, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. C'est juste qu'il me donnait beaucoup de circuits, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là, mais bon. Mais des circuits vraiment spécifiques, là, mais bon. Mais ceux-là qui sont les plus importants, c'est les Buggy Brut, la famille des Buggy Brut, mais j'ai déjà tous. Il faut juste que je les améliore. Bon, Buggy Brut rouge niveau 5, mon Buggy Brut est au niveau 7, le jaune est au 1, marron est au 1. Puis le Buggy Brut, le vert, qui est vert, ben il est aussi au niveau 1. Puis ça, c'est plutôt la famille des Buggy Brut. Je pense que c'est ceux-là qui ont la Xbox la plus large. Après ça, tu as la famille des Intrépides, tu as la famille aussi des rapaces rapides, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'autre. J'essaie de me rappeler, je pense les flèches aussi. Flèches roses, flèches bleues, mais d'après moi, ça doit être des bons cartes, je pense. Donc j'aimerais ça obtenir un nouveau carte. Bon, ça compte avec les limites de points de pilote, ok. Pourquoi pas trois tickets de capacité des pilotes standard un coup parti.
Ah ben j'ai mieux, j'ai celui-là de des rares. Nice. Deux fois. Après ça va être quoi un ticket de capacité 30 de pilote? Je sais pas. Encore un tuyau d'or. Bon, étiquette d'objet, ok. J'en ai au, là, je retombe en haut de 100. Je devrais être correct pour un temps. Avec étiquette d'objet. Oh, j'ai obtenu parasol en papier, merci. 5 de 6, c'est merveilleux. Si je pouvais me débarrasser de toutes mes ailes rares pour les mettre jusqu'au niveau 8, ça serait déjà une bonne affaire. Pour l'instant, ça va bien. Ça y est, le focus, il est bon pour ça. 2 en 3. Ben, vous avez vu, c'est, j'ai eu 2 en 3. 4 et 4. 2 fois 2 tickets de capacité de pilote rare. Nice. Super, ça. Est-ce que j'en obtenais un troisième dans ce lot de mes 12 premiers tirs? Oh, un tuyau d'or. Oh, qu'est-ce qui me cache dedans? S'il vous plaît, faites en sorte que ce soit un ticket de capacité de pilote. Ça serait pas pire pantoute. Ah, ben c'est un pilote. J'espère que c'est un beau. Le chef d'or, je sais pas. Ah, ben c'est Yoshi Noir. Bon, ok, nice. 2 de 8. Il me sert pour l'une des variantes de Valley Daisy. Ouais. Celui mon meilleur à date. Oh, ben, Calivarizer qui augmente à 9 de 14. Ok. Vers le niveau 6. Ok. Alors, let's go. Alors, moi, quelque chose de bon, s'il te plaît. Pourquoi pas des ailes de capacité rare? Ah, oh, des tickets d'objets. J'en veux pas d'autres, s'il vous plaît. Là, arrêtez de m'en donner tout le temps des tonnes et des tonnes de copies. Puis ça, ça énerve. Bon. Attends, j'ai pas eu de pièces. Ni de rubis, mais je pense que je viens d'obtenir 3 rubis. Ah oui, c'est ça, je le savais. Je le savais, j'étais à 229. J'étais arrivé à 300. 232. Bon, ok, go des pièces! Go des pièces! Go des pièces! Mais non, ce sera pas des pièces. Bon, ok. Ça va être quoi cette fois-ci? Ah, ben là, c'est le Caravelos, mais le Caravelos normal. Ok. Après le gris, voici le normal qui apparaît. Oh boy. Ok, encore deux autres tirs. Bon, au moins, il y a un pilote qui est apparu. J'espère que ce ne sera pas juste ça comme qui est arrivé avec Mario Aviator. Il y a deux saisons de ça. Oh là là. J'espère pas. Mais là, s'il te plaît, arrêtez de me donner des étiquettes d'objets. Le crâne, qu'est-ce que vous avez tout le temps à me donner des étiquettes d'objets? Bon, yes sir, c'est ça que je voulais, merci, wouh! Merci beaucoup. Bon, quand même, j'ai reçu le chinois, hein, c'est rare qu'il apparaît. Bon, ok, qu'est-ce que ça donne ici? Il me semble que le plus avancé, c'est Koopa pour moi. Je pense que c'est Koopa. Ouais, je pense que c'est Koopa. Il ne peut pas être plus je pense que c'est lui qui est le plus avancé que. Ouais, Koopa, je sais pas, il était quoi à 17 à un moment donné, puis Koopa, ouf, il apparaît presque à chaque jour dans ma boutique, fait que c'est ça, qui est ça. Bon, il est déjà. Ok, Roy, c'est le dernier au niveau 8, ok. Bon ben lui, ça va être un beau petit 3. Bon, ici, dans les rares, est-ce quelqu'un que je peux amener au niveau 8? Non, j'ai pas la quantité suffisante pour lui. Peut-être pour le Yoshi rouge. Non, mais non, j'en ai juste 7. Bon, hein. J'avais investi dans le frère Boomerang la dernière fois. Non, je pense pas que j'ai la quantité suffisante pour l'un, deux. Peut-être Waluigi? Non, là, il est à 0 de 16. Donc le plus près c'est Yoshi Rose en ce moment. On ne veut pas aller vers le niveau 8.
T'es pas plus près que ça. Bon, ben, ça sera tout pour le moment. On se reverra plus tard pour la suite des événements.